Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange88 et on se retrouve pour le 8e épisode des explorations. Donc le 4e sur la 2e exploration actuellement disponible. Et je vais commencer par faire le tirage gratuit par rapport à l'event de FF15 hein, qui est actuellement en collaboration. Alors, et qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Ici, en 3 étoiles, on a la Sylphide, une carte vente de mage. Pour magicien, génial. Ni les 10 000 émantites d'eau, c'est génial. Et hop, allez, petite tentative de vocation 4 étoiles suprême. Alors, quelle est cette 4 étoiles? Orlando. Une carte d'ombre. Guerrière en plus. Génial. Deux choses qui ne... Enfin, non, pas deux choses. Enfin, deux choses, non. Non, réellement, il n'y a qu'une chose qui me chagrine. C'est le côté guerrier. 12 tickets de compétences. Ouais, génial. Bon, ben, allez. Et ben voilà, je suis parti. Et est-ce que je suis au bon endroit? Ah oui, alors j'ai des gemmes qui me manquent là où c'est d'élimination. Donc, hop, on va aller faire là, cette partie gauche où je pense où pas mal de zones vont être disponibles. Hop, voilà, je récupère ça aussi au passage. Hop là. Et je suis parti. De toute façon, j'ai de tous les éléments. Mais qui servent à rien. Ils servent à rien, non. Plutôt qu'ils vont pas faire leur dégâts maximal. Hein, puisque je n'ai pas équipé en conséquence sur. Ah mais c'est pareil, j'ai encore que des mono-cibles. Bon bah c'est bien. J'ai ravi d'apprendre moi. Bon, ce fut long et laborieux. Voilà, qui est mieux. Ça, ça fait plaisir. Ah, tout cassé. J'ai tout cassé le cristal. Oui, pourquoi je sais pas ça? Autant aller au plus simple. Oui, bah en même temps c'est normal que ce nouveau corps. Une nouvelle semaine que j'attaque. Voilà, bonus sur l'ombre, ça c'est bien. De toute façon, voilà, dès que j'ai fini avec avec les tueries sur cette classe, j'en reviendrai sur une classe basique. Enfin, une autre classe où je vais faire plus de dégâts. Parce que là, clairement... Oula. Ouf. Wow.
Bon, voir les sens, ça va être rapide, hein, tout ça. Ok. Boum. Allez, la petite AO de dos. Ouais. Et ben voilà. Ouais, 3 gemmes. Ah, génial, juste ce qu'il me fallait. Bon, maintenant je peux revenir sur sur quelque chose de mieux niveau classe. Alors, alors paladin pour monter tout ça. Je paladin où j'ai rien qui un guerrier. On va faire sur lui avec avec ce soutien-là. Où est la date terre? Ouais, pour l'instant, ouais, on va partir avec celle-ci. Hop, allez, on va aller faire ça. Pour l'instant. Ah oui, j'ai. Comme des frères. Ah oui, c'est vrai que. Bon, à mon avis, je vais pas réussir à obtenir non plus encore la carte de. La carte suprême, mais bon. Je tenterai ma chance chaque jour. Ou presque. J'ai trop de tours d'action pour que tu puisses m'atteindre. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Oh, mais. Oh, il manque Kikine, hein. Et allez, faire de glace. Voilà. Et ben voilà, j'achève dans ça. Oui, forcément nouveau record. J'avais déjà fait pas un gros score au départ. Donc. Ah, une petite carte de récupération. D'accord, ok. Bon, c'est toujours ça de prix. Donc. Mission quotidienne réussie, oui. Bon. En même temps, c'était pas le plus compliqué en soi. Ah, ben voilà, différentes voies. Voilà, et ça d'en bas, je vais retourner. 230, ouf, j'en suis loin. Zone, 40 zones réussies, ça on est bon. Oui, génial. Ça j'adore aussi. Ici, des gemmes fulgineuses aussi. Ok. Allez, hop, on va finir cette zone-là.
On va faire la jonction, hein, tant qu'à faire. Sinon, c'est pas rigolo. Bah, tu vas prendre la carte de. La carte suprême de FF15. Ah oui, mais c'est la carte de Shiva en plus. Il faut que je me réveille des fois parce que. C'est celui qui est à l'ouest. Allez. Même rapide et efficace. Allez. Voilà. Ah, ma carte, la carte de la petite voiture va avoir son petit sa petite progression, c'est cool. Ah, le petit boss. Ah oui, ça veut toujours pas, hein. Arme fantôme. Ouais, j'ai pas du tout lu exactement tout ce qu'elle faisait cette carte, mais ça envoie. Voilà, niveau de deck augmente. Les compétences coûtent 0 action. Oh, bah c'est cool ça. Mais je crois que j'avais déjà sur la carte récup, donc on va dire au moins. Je suis tranquille sur ces aspects-là. Oh! Le tout petit détour! Ah, punaise! Ici, non. Toujours pas grand-chose. Pas sûr-là. Ah, ben voilà, contre-taillade, ça c'est cool. Le niveau 68. Allez. Ouh, il y a du beau monde là, il. Tout seul. Allez. Et ben voilà. Ouais, pour ça, je récupère beaucoup de gemmes. Ah, lui, il en faut 120 seulement. Ah, le vilain. Voilà, bon, j'ai fait la jonction. Ça, c'était le but premier. On va aller faire celle-ci, la menthe tueuse. Ouh, j'ai du choix, mais de toute façon, vu ce qui m'attend, il faut que je prenne la contre-taillade. Oh mais c'te blague quoi.
Voilà, ce sera fini. Et les petits AOE. Ouh, ça c'est bon ça. Pourquoi ils nous ont mis des ennemis d'eau là, hein? Ah, il y a encore des ennemis d'eau quoi. Hein, tout fait exprès pour, hein. Ah oui, mais c'est que des ennemis d'eau, moi, sur la flèche du boss et d'eau dessus. Non, non, tout va bien, vous inquiétez pas. Je suis pas du tout à l'ouest. Ah oui, ça fait surtout des dégâts en fait. Ah bah, je l'ai éliminé du coup. Tout va bien. Alors, des petits thèmes. Ah, voilà. Quoique 3 même le dernier. Oh là là. Il va falloir farm absolument les têtes d'idoles. Un ticket d'invocation, 2 tickets de compétences. Voilà. Ok. Eh ben, on est parti vers la partie gauche. Ouais. Il va pas y avoir trop de choix, il va falloir faire du farm intensif sur la tête d'idole. Ouais, on va attendre voilà, les 20 secondes manquantes et on fera l'élixir après. De toute façon, oui, bah, même si. Je pense que je vais après avoir utilisé l'élixir, donc c'est peine perdue pour espérer up avant. Épée de terre, oui, c'est bien. Et ben voilà la concentraillade parfaite. J'arrive encore à la voir. Que demande le peuple? Pas grand chose d'autre. Ok. C'est pas faux. Ouh, punaise. Déjà. Oui, la contre-payade, c'est ça fait des dégâts. C'est pas pour le choc, c'est pour les dégâts. Allez. Voilà, je vais finir avec l'éclair de glace. Oui, ça a un petit up, ça je le savais. Ouais, 9000. Ok. Alors, comme celle-ci elle me rapporte 75 gemmes. Bon, ça va. Not to shake your conviction, but up ahead, you'll need brains as well as brawn to succeed. The ruins shift and alter as you progress deeper in. To overcome them, you'll need to stay sharp. Don't try to change the subject on me. I doubt you don't know when chaos arrived. Come on, I wasn't even born yet. Some legendary spirit you are. And you were born how many years ago? Are you accusing me of being a senile old hag? All this about not trusting me was because you think I'm mentally incompetent? I never said anything like that. Some traveling companion you are! Okay, okay, I apologize. She got me again. Et oui, en même temps, c'est difficile de voir le dernier mot avec avec Ico. Et oui.
Alors, par ici, vous ne pouvez pas aller plus loin tant que vous n'avez pas terminé le labyrinthe des axiomes, ok, et là, le labyrinthe de la providence, c'est ça? Oui! Ah oui, c'est ça, je voulais regarder avant, dans mes cartes. Bon, qu'est-ce que tu fais là pour ta compétence? Tu la prends? Ah, saleté! Ça fait durer le plaisir. Bon, je pense que clairement, si je vais la battre dedans, je pense que je vais faire l'apprentissage de sa compétence que. Ouais, que j'attends, hein, très clairement. Tiens, on va prendre la pseudo AOE. Hein, je me dis la pseudo. Bon, ça va mieux finir par arriver, son apprentissage. Boum. Oh, saleté. Ah. Eh ben non, toujours pas. Bon, je pense que j'étais de trop vouloir que ça arrive de suite parce que je pense que je vais être déçu parce que j'aurai pas d'ici la fin de cet épisode. Bizarre. J'ai l'impression qu'on nous épie. Est-ce que tu sens des monstres à proximité? Ce ne sont pas des monstres, ce sont ces ruines. Les murs nous observent et s'adaptent en fonction du chemin qu'on emprunte. Encore de la magie à l'œuvre, on dirait. Et ils nous emmènent où, ces murs? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Bien! Oh! Un joli triangle. Le joli triangle des Bermudes, j'aurais presque envie de dire. Pas parfait. Oh, un ennemi devant, par excellence. Ah, mais. Laisse-moi avoir de l'eau, merci! Donc j'ai insisté. J'ai insisté sur sa carte d'eau, c'est. C'est comme ça. Alors. Ici, 50 gemmes fuligineuses, ça c'est cool. Changement de verrouillage. Mais pas les intérieurs pour l'instant, vos déplacements peuvent influencer les voies qui vous sont ouvertes. D'accord. Je sens bien dans le truc relou. Hein, vous pourrez me donner le labyrinthe des. Je sais plus trop quoi d'ailleurs. Le labyrinthe des axiomes, je crois. Non, ça c'est. Non, ça c'est le second. Le labyrinthe des. Des. Le labyrinthe de la Providence. De toute façon, je suis obligé de tout faire. Donc ça va être sympathique ça, cette histoire-là. J'ai apprécié. Oh punaise, pardon, j'ai même pas fait gaffe que ça allait donner autant de. C'est quoi toutes ces orbes prismatiques?
Non mais c'est cheaté quoi. Oh ce cheat quoi. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que ça se passe, c'est que j'ai une double restauration de... Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une campagne actuellement qui ferait que ça double? L'exil rendre deux fois les 50 gemmes fuligineuses, ok. Allez, changement de verrouillage. Je veux que je repasse par la salle des cieux. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut bien que je passe faut que je passe d'un côté ou de l'autre. Donc, est-ce qu'après dans est-ce qu'autant il faut que je refasse la même pour avoir accès à la suite J'ai bien peur que ce soit ça. La chose à faire. De toute façon, je verrai rapidement ce qu'il en est. Hein. Alors là, lance de l'ombre. Eh ben dis donc. Ah, ça va. Ça va. Ils étaient pas en mode trop... Trop... Ah, je pourrais utiliser comme terme qui soit pas... qui soit correct. Ah, je serais pas quoi utiliser comme terme. Mais bon voilà, en gros ils ont été sympas quoi. Ils ont pas fait un truc où genre tu fonction du nombre de fois que tu fais chacune des deux, après ça peut éventuellement te débloquer la chose. Oui. Enfin. Oh punaise. Ah j'y croyais pas. Ah j'y croyais plus. À force j'y croyais plus. Oh punaise. Ah j'y croyais plus. Eh ben voilà, en fait elle va faire plus de dégâts celle-là. Ah, là je up. Non. Oui. Hors limite. Alors 50 gemmes encore une fois. Voilà. Changement de verrouillage. I knew it. There's something odd here. Who built this place? Why don't they care? Do people in Palamecia not want to know? If they don't respect the past, then why do they respect the royal family? Castle Cornelio is nothing special, just musty halls and dusty floors. I didn't see any kind of regal legends. I wouldn't worry too much about that. Palamecia is no place for those who look to the past. And if I were to take a glance... Why, they'd likely brand you as a heretic. A heretic? Like Garland, you mean? He too turned to history? I wouldn't say turned. He is, in fact, trapped by it. Part
part of me even feels bad for him. His life would be easier if he forgot about Sarah. Sarah? I figured there was something going on with those two. And you'll end up just like him if you stick your nose where it doesn't belong. You'll lose all sense of purpose and be doomed to wander around like a zombie for eternity! Excuse me? You're the one who brought up the topic. Ouais, pourquoi pas? Oh, même pas petit blocage. Oui, il débloque tout, oui, forcément. Ça sert plus à rien que ça bloque, du coup. J'aurais pu faire directement les trois en même temps, mais bon. Voilà, c'est comme ça débloque là, cette voie-là. Ah, vous avez joué, mais c'est même pas vrai d'abord. Enfin, presque. Ce n'est pas comme si j'avais... Si je m'étais court pour faire des sicaires, à farmer des sicaires, hein. Non, non, pas du tout. Ah, enfin bref, hop, on va y commencer. Pourquoi commencer? Eh ben tout dépend, hein, qu'est-ce qu'il va y avoir comme... comme mission à faire là-bas après. Ouais, je vais partir encore sur la danse d'ombre. Oh, il a résisté. Ça t'apprendra. Oui, allez. Oui, c'est vrai que pourquoi j'avais insisté sur l'attaque de terre. Je sais pas du tout. Ah mais voilà, level up. Et ben voilà, je cumule encore de l'endurance. Ah punaise. To live 100 more years. That's what I'd like to hear. N'importe quoi. Genre 50. Ah, là il y a plus de zones. Bon, ben ça va être plus complexe à réfléchir à tout ça. D'accord, ok, ben pas de soucis. Hein, on va. Ouais, du coup, effectivement, je pense que je finirai pas cette partie-là. Ici. Allez, hop. Alors, ça va me bloquer toutes les voies possibles, donc j'attaquais de l'autre côté, puis après j'ai revenir de l'autre. Enfin, ça va être la joie interplanétaire, j'ai envie de dire. Allez, faire de glace. Boum. Et j'ai même pas accès à lui. Oh. Oh la déception quoi. Ouais, j'ai le choix. Et ben voilà, je le finis. Vas-y. Ouais, merci.
Alors, des gemmes, c'est ça? 100 gemmes fuligineuses. Ah, ça c'est cool. Ça va bien aider. Ah bah oui. Bah oui. Et oui, forcément, ça, c'était obligatoire. Là, il y a peu de surprises sur la question, hein. Wow, ça va, en soi, c'est pas méga compliqué, quoi. Enfin, quoique je dis ça, mais ici, là, ça va être un peu plus. Là, ça va ouvrir là et là et là et là et. Oh là là, le merdier. Le bordel que ça va faire, toute cette histoire. Bon, ça va, heureusement, c'est que des petits combats ici, hein. Oh, bah, vas-y, hein. Vas-y, bourrine l'épée de terre, écoute, qu'est-ce que tu dises? Tu as accès, hein. Voilà, non, allez, 100 petites gemmes de plus. Bon, ça va, il y a quand même une zone où on peut récupérer quand même pas mal de gemmes. Voilà, là ça se rouvre. Oh là là. Bon. En gros, je sais quel chemin faire, mais bon, ça va être un. Malheureusement, je dois en refaire certaines plusieurs fois. Enfin, non, en fait, je vais refaire celle-ci. On va faire la salle de la bienveillance. Après, je vais aller sur la salle de la sincérité. Après, avec la salle de sincérité, j'ai passé sur la salle d'en bas, là, à droite. Après, j'ai monté. Après, j'ai repassé par le centre. Pour terminer par en haut à gauche, quoi. C'est. Bon, c'est fait exprès, à mon avis, mais bon, c'est quand même. C'est quand même enquiquinant un peu de devoir refaire chacune comme ça. Elle est dans l'ombre. Oui, allez, on y croit, on y va. Parce que sinon, si je peux aller partir d'en haut. C'est à dire que je débloque. Voilà. Je vais partir d'en haut, mais ça m'obligerait à me re-TP à l'entrée. Et ça, clairement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, on va passer directement par le centre. Allez, hop, on va chercher plus loin. Il y a une carte de terre de la sorte. On la prend. Oui. Ah, c'est celle à 4, celle-là, d'accord, je vais revenir. Ah, il y a des cartes qui ont des coûts plus importants que d'autres. Pour un même nombre de capacités, en fait. J'avais même pas relevé jusqu'à présent. Voilà, et je t'achève. Très bien, très bien. Tom, tom, tom. Allez, non, 100 petites
100 gemmes supplémentaires, je suppose. Oui, bah, en même temps, la question n'était pas bien compliquée en soi, mais bon. Ouf, et hop, ça débloque ici. Ouais, allez. Bon, j'ai pas les 100, les 999, mais j'ai débloqué les autres routes. Alors, je pense côté du sage, à mon avis, on va en récupérer pas mal aussi. Voilà, et puis aussi, je vais aller récupérer, je vais aller changer ma petite carte d'eau, du coup, pour en mettre une autre pour qu'elle, pour la faire monter. Et il faut que j'aille voir qu'est-ce que j'ai de disponible sous la main. Bon, j'espère que c'est que la zone en haut, c'est vraiment la dernière zone, la seule zone où il faut encore des gemmes pour en débloquer la suite. Sinon, j'aurais pas l'air bête. Alors, toi, t'es déjà au max. Toi, tu maintenant. Et sur mes 3 étoiles, est-ce que j'en ai pas une qui pourrait up? Je pourrais pas faire une évolution sur une de mes 3 étoiles. Ah oui, non, pardon. J'étais pas descendu assez bas. Donc, il y a toi. Mais feu, non, feu, j'ai pas feu. J'ai pas feu. J'ai pas feu. J'ai pas feu, donc ça ne sert à rien le reste après. Une fille non plus. Voilà, elle en plus, elle peut pas up. Ah si, pardon, elle peut up, mais. Immédiat, ça ne sert pas à grand chose. Punaise, mais je suis bloqué sur. Je suis obligé de prendre un autre élément exprès, quoi. Bon ben tant pis, hein. Faut faire ça, on va faire ça, hein. Donc on va prendre ben voilà, justement pas Fafnir, mais on va prendre Xtes puisqu'il a pas les dégâts extra, comme ça voilà. Voilà, donc je suis paré pour la prochaine fois où nous. Bah, où, voilà, où on va terminer le labyrinthe des axiomes. Et où on va faire. Après, pour nous débloquer la voie vers la stèle du sage. Qui va nous amener je ne sais où. Et puis après, bah, on fera les différentes. Là, les différentes petites zones là, que j'ai pu débloquer grâce aux gemmes. Voilà, donc le quartier des élèves, celui des pèlerins et l'hôtel des suppliques. Et après, je pense que j'aurai accès au sanctuaire intérieur et à la trésorerie. Et le jardin des rituels, à mon avis, ça sera en dernier lieu. Et ça va prendre un peu de temps pour y arriver. Donc sur ce, je vous laisse. Ben voilà, je vous ai déjà dit ce qu'on fera la prochaine fois. Bye tout le monde !